Foodsoft Analytics est un outil de gestion complète des chaînes gastronomiques, y compris les boulangeries et les pâtisseries. Il permet de configurer le menu de produits avec des recettes dans les locaux, de gérer des listes de prix, de promotions et de programmes de fidélité. L'affectation des produits aux locaux est disponible dans le menu produits. Ensuite, sélectionnez l'option disponibilité dans les locaux. Une vue sera présentant d'une part l'ensemble des dossiers du produit, d'autre part avec la possibilité de marquer la disponibilité des produits dans chacun des locaux. Il est possible de copier les données entre les locaux et de sélectionner plusieurs lignes aux colonnes. En choisissant les listes de prix de vente, dans le menu, nous avons la possibilité de définir tous les prix disponibles dans chaque locaux. Pour chaque produit, nous entrons le prix disponible sur le site, valable pendant les ventes à emporter et disponible à la livraison. Sur le côté gauche de l'écran, la structure de menu présentée dans POS vous permet de basculer entre les groupes et donc de limiter la vie de produit avec des prix uniquement au groupe actuel. Dans la partie supérieure de la fenêtre, le nom de la liste de prix est en cours d'édition. Lors de la configuration de la disponibilité des listes de prix et des produits, il convient également à mentionner la possibilité de créer des calendriers de vente et de produits disponibles dans le menu produits et l'option calendrier de vente. Cette fonctionnalité analytique consiste à définir les dates auxquelles un produit est actif sur le point de vente et donc à le vendre. La gestion de la configuration des propriétés est l'un des éléments de la fonctionnalité analytique. Une autre fonction importante est l'accès aux mécanismes de rapport pour les ventes, les stocks et autres données disponibles dans le menu rapport. Ils ont été divisés en catégories distinctes, y compris vente, entrepôt, rabais, enregistrement du temps, enregistrement des données KDS. Tous les rapports ont un ensemble commun de filtres liés à la plage de date et à la plage de locaux à partir desquels nous souhaitons analyser les données. Dans le cas de l'analyse de grands ensembles de données, les analyses de business intelligence disponibles dans le menu OLAP sont un outil indispensable au travail quotidien. Ce sont les données pré-analysées et agrégées qui sont interconnectées via des connexions logiques. Après avoir sélectionné par exemple le cube général, nous avons accès aux données de vente. Sur le côté gauche, sous la forme d'un arbre, il existe un accès aux valeurs numériques sujettes à la somme, c'est-à-dire à la mesure du cube. Par exemple, la valeur nette, le nombre de transactions, la création d'une instruction consiste à faire glisser les mesures sélectionnées sur le rapport ou à double-cliquer sur le nom de mesure. Une telle combinaison peut inclure le placement de plusieurs mesures simultanément. Au-dessous des mesures, on trouve toutes les caractéristiques décrivant ces valeurs, c'est-à-dire les dimensions du cube, par exemple l'année, le jour de la semaine, les locaux, l'heure, les données démographiques et météorologiques. Vous pouvez placer les dimensions du cube dans les lignes et les colonnes de l'inscription préparée. Le fait de placer la dimension sur le rapport entraîne une conversion immédiate de l'inscription préparée, sans attendre la génération du rapport. En outre, nous disposons de toute une gamme de fonctionnalités de filtrage de données, quelle que soit la dimension du cube. Grâce à cet outil, nous pouvons effectuer une analyse transversale des données et toute comparaison comparative entre les locaux, ainsi que les données, les mois ou les jours. Chaque liste préparée peut être sauvegardée dans le programme et à l'avenir seulement actualisée. Il est possible aussi de connecter une feuille de calcul à chacun des cubes OLAP, ce qui téléchargera automatiquement les données présentées.